Quand je suis arrivé à Delhi, je trouvais que c'était très vert, que les rues étaient bien vastes et la circulation fluide. Mais ça, c'est le New Delhi, le Delhi des Britanniques. Mais le Delhi qu'on s'imagine, c'est plutôt ça. Une ville polluée et surpeuplée. En effet, dans la grande région de Delhi, il y a plus de 25 millions d'habitants. Ce qui fait des problèmes de trafic constants. Même quand on utilise des tuk-tuk à pédales, on reste très souvent pris dans un bouchon de circulation. Mais le vieux Delhi a quand même beaucoup à offrir, comme un bazar multicolore. Et si on est plus aventureux, on peut aller jusqu'au marché des épices. De toute ma vie, j'ai jamais eu une expérience olfactive aussi intense. C'était surtout de la faute des piments. Ben oui, il y en avait partout et souvent ils étaient broyés, ce qui leur donnait un petit air volatile. Pour fuir le chaos, on peut prendre le métro. Détail intéressant, à Delhi, les premières voitures du métro sont consacrées aux femmes. Interdit aux hommes d'y entrer. On arrive rapidement à un petit oasis de verdure, les jardins de Lodi. Là où il y a la tombe de Mohammed Shah, qui a régné sur le nord de l'Inde au 15e et au 16e siècle. On a aussi visité le Gurudwara Bangla Sahib, le deuxième plus grand temple sikh de tout l'Inde. Notre guide nous a beaucoup appris sur le sikhisme durant cette visite. Ça va vraiment au-delà des turbans et des kirpans. C'est une religion monothéiste, végétarienne, qui prône l'égalité pour tous. Deuxième visite religieuse, la Jama Masjid, la plus grande mosquée de tout l'Inde. Elle peut accueillir 25 000 personnes. Elle a été construite entre 1644 et 1656. Dernier arrêt de la journée, on visite un sanctuaire soufi. C'est le tombeau de Nizamuddin. Et c'est un endroit de pèlerinage où les soufis viennent faire prières et offrandes. Bon, il y avait encore beaucoup à voir à Delhi, mais on devait déjà prendre le train. Un train de nuit qui allait nous conduire dans le Rajasthan. Hein? Ça se replie, ça. Disons que ma couchette était pas trop difficile à trouver. Il y avait mes initiales à côté.